Voilà. Après ce fail de 5 petites minutes qui m'a obligé à relancer le stream, relancer le jeu, etc. pour enfin avoir le son. Nous voilà de retour. Donc nous disions que nous allons dans l'Asylum pour rencontrer Tyreese, qui va nous aider à retrouver Tung, qui va nous aider à retrouver l'entrepôt du sabbat. Bref, tout ça, on va le voir ça tout de suite. Voilà. What do we have here? Another scrumptious young plaything straight out of life and into my club? You smell new, little boy. Like fabric softener do on freshly mowed astroturf. I'm not frightened, am I, duckling? Est-ce que je vais être sympa avec elle? Non. Vos paroles sont une symphonie bancale de profondeur et de consonance. On va changer d'avis par rapport à tout à l'heure. Delicious. Two minds as crazy as ours, and who knows just what might happen. Salutations, fille Janus. Oh, but you've got it bad, little boy. Not sure exactly what is real and what isn't. Janus, let's see. Isn't that a two-faced Roman god? Of course, you're right. You just happened to meet the prettier face first. Vous êtes la blancheur, elle a l'albâtre et l'ivoire. Wait until Therese hears that. I am white to her black. She'll be absolutely furious. Of course, I won't be wearing white to any weddings, but we could talk about that later. Dites-moi votre nom, fille de Janus. On aura compris qu'elle-même aussi est malkavienne et qu'a priori, elle a deux visages. Tout simplement. Qu'elle est, elle aime que c'est Jeannette et Therese en même temps. D'ailleurs, je crois que c'est qu'en étant malkavien qu'on le comprend, enfin qu'on le voit aussi vite. Ouais, hop, on va dire au revoir direct. Je connais plus les touches. J'ai bien appuyé dessus, ouais. Ça a l'air d'être bon. Oh putain, la sensibilité. Ouais, on entend le son. Là, par contre, je sais pas si on entend bien par rapport au son, à la musique de la boîte de nuit. D'accord, je peux pas monter pour l'instant, c'est ça? Je dois d'abord aller parler au barman. Ok. Je cherche les filles de Janus. Les sœurs, enfantées par le dieu à deux têtes. Leurs voix sont la même. Sont la mère de mes oreilles. C'est chelou comme phrase. Therese attend entre les bras de son ombre. Hein? Ok. Le problème de Malkav, en fait, c'est que je vais dire des phrases totalement incohérentes que je ne comprends pas. Votre sang est plus épais qu'une bière de Mars. Ok. Le problème de Malkavien, c'est que je vais dire des phrases que je ne comprends pas, que je vais mal lire forcément. Et là, cette fois-ci, on peut appuyer. On monte. Ah. Ah. Alors là, je vais éviter de faire les voix féminines parce que ça va tout de suite partir dans le ridicule. J'espère que ça reste lisible.
petites affaires en attendant. Alors, des restes de cadavres trouvés sur la jetée, donc ça on était déjà allé voir. Angulade entre sœurs. Please come in. I do apologize for my sister's crassness if it made you uncomfortable. She's unabashedly scandalous, but in the club business, I suppose that kind of personality is a necessary evil. Vous êtes Thérèse, la sombre fille de Janus. Thérèse Borman, yes. I'm the proprietor of this club, and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. What brings you to Santa Monica? Un peu, je me mouchais. Alors, maître, cet asile n'est-il pas à la maîtresse blanche? Alors, mettre fin à votre conflit avec le ver ténébreuse. Tongue's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Bloody Nosferatu. They're so unclean. Quoi? Bah, attends. On va regarder. Est-ce que je l'entends, non? Je vais aller. Hein? Je vais y aller. Mais t'es pas en live. Bon, c'est pas grave. Je reviens, je vais mettre la tétine à la petite. Hop, alors. Je veux pas participer à votre folie, faites simplement la paix avec le ver. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tongue have been swept under the rug. But in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. Alors, je ferais mieux d'utiliser mon temps autrement. Dites-moi votre quête. Un esprit, un vestige d'un vivant. Je vais peut-être vous envoyer sur le versant de la nuit et le ver me remerciera. Non, c'est pas forcément la meilleure idée. Alors, dites-moi votre quête ténébreuse. Si vous dites à ce ver qu'il n'est pas désiré, je pars. S'il y a aucune babiole à trouver, pourquoi n'avez-vous pas parlé aux esprits vous-même? As much as I'd like to ensure it's done properly, you're in no position to refuse. That is, if you still want me to call off the feud. Si vous dites à ce ver qu'il n'est pas désiré, je pars. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold. Alors je pars pour l'Ocean House. Take this. The only way to reach the Ocean House this time of night is through a tunnel in the sewers. You'll need that key to open the gate for that tunnel. Je vais faire ce qu'il faudra, ténébreuse. I've got situations to set straight. Alors je pars pour la maison de l'océan. Tac. Donc là il va falloir qu'on passe par les égouts. Bon, c'est encore une maison.
C'est une mission dont je me souviens assez bien parce que lorsque j'ai fait les tests en plus de stream il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin pour savoir si simplement si ce jeu allait être sympa à faire en live, j'étais allé au-delà justement de l'hôtel. Après j'aurais plus de mal à me souvenir. Donc il faut qu'on trouve une bouche d'égout. On va rentrer à la maison quand même. C'est quoi cette alarme? Ok, il y a une voiture normalement. Enfin, selon le son, il y avait une voiture ici qui a été coupée. Ce que j'aimerais, c'est savoir déjà, par exemple, est-ce que la comment la ma future. Ah, merci. Est-ce que la fille à qui on a donné du sang la dernière fois est encore ici? J'essaie de voir prendre des nouvelles. Non, elle n'est plus là. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce qu'après, justement, la prochaine fois qu'elle va venir, là, il faudra lui redonner du sang, etc. Je crois qu'il faut le faire au final 3 fois pour qu'elle nous soit totalement liée. Et après, si je dis pas de bêtises, elle est censée nous offrir des cadeaux. Et plus tôt ça arrive, mieux c'est. Est-ce qu'elle est déjà... Est-ce qu'elle vient déjà nous voir? Non, pas pour l'instant. Ça sera, je pense, lié à l'histoire. Alors, quand cela vous venez me voir, donc ça on l'avait déjà lu, on va voir si on a des mails supplémentaires. Ce qui m'étonnerait largement. Hein. Alors, Sunrise, si j'ai pas de... Oh, c'est déjà fait. Une faveur. Nous avons appris qu'une fiole de sang de loup-garou est parvenue entre les mains d'un journal à scandale local qui l'a envoyé à la clinique de Santa Monica pour l'analyser. Nous sommes occupés des responsables avec grand soin, bien sûr. Mais il faut éviter à tout prix que le sang soit analysé. Récupérez l'échantillon à la clinique et mettez-le dans votre boîte aux lettres. Vous recevrez une indemnisation. Ok. Donc il va falloir aller... On fait comment pour quitter? Ah. Voilà. Il faudra qu'on aille à la clinique pour aller récupérer le sang de loup-garou parti en analyse. Oui, parce que bien sûr, dans cet univers, il y a des loups-garous qui sont totalement... qui sont une caste opposée aux vampires. Mais si les loups-garous sont découverts, bah, les vampires peuvent être découverts assez rapidement aussi. Alors... Où est-ce qu'il est... Ouais, j'ai loupé la bouche d'égout qui était juste à côté de mon appartement, mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vous ferai bien du rat. Sort d'augmenter un peu. Mon sang. Je crois qu'il y a une carte en face là. Alors. Alors, you are here. Alors le Ocean Hotel, c'est en A. Donc en bas à droite, il faut qu'on aille à droite là. On devrait y aller après par la gauche. Ça va, c'est assez simple à retrouver. Ok. Là, par contre là je cours au max, c'est chaud. Ah où? Non, je crois qu'il y avait un autre rat par là, dommage. Bon, normalement dans cet épisode on devrait pas avoir trop de combats. Vous allez voir, c'est surtout en fait une maison des horreurs, l'hôtel. Salut machin truc, comment vas-tu? Hop. Ouais, ici, on récupère la clé. Il y a des trucs à récupérer, d'autres non, juste une chaise, bon, ça sert à rien. Ok. Là, on a ça là, le Bobcat qui est venu
s'encastrer dans le truc où on était. Forcément lui. À chaque fois je l'oublie cette lumière, à chaque fois elle me fait sursauter. Ah oui, effectivement, si tu désactives les notifications en direct, machin truc, tu vois ça, tu vois plus les notifications. Forcément. Bon, au moins maintenant la question ne se pose plus, tu as trouvé pourquoi. Voilà. Voilà. Les trucs qui clignotent un peu comme ça, ça va nous sauter à la tronche à chaque fois. Hop, voilà. Alors là, il va y avoir tout un parcours à faire dans le... Donc, tout un parcours à faire dans l'hôtel. Genre... Voilà, ça fait toujours plaisir à voir. La première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai dû arrêter en fait. Simplement, j'ai pas pu continuer parce que ça me faisait totalement... Ça me faisait totalement flipper. Ça, j'ai oublié. J'avoue que là, je suis pas forcément très bien, même si je connais même si je sais ce qui va se passer. Donc la tête de l'enfant retrouvée dans la buanderie de l'hôtel. Mais c'est sympathique. Alors la buanderie, c'est là. Non, c'était pas là. Ah, j'entends un petit bruit par là. C'est ça. Alors clé de la chaufferie. On la prend bien sûr. Ça vient de là. Hop. C'est pas là la chaufferie? Attends. Est-ce que c'est simplement que j'ai pas utilisé la clé? Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça. Alors, comment on repasse en vue intérieure? Alors, la buanderie. Pas la buanderie, justement, c'est le chauffage que je cherche. Alors, là-bas, c'est l'ascenseur. Il y a quatre couloirs, je suis perdu. Voilà. Avance. Voilà, alors là faut. Alors, de toute façon, tu peux crever à cet endroit là quoi. Ouais, c'est ce que je. Putain de. Voilà. J'ai failli totalement crever. Mais au moins maintenant il y a l'électricité. Allez, choper l'ascenseur. Et même là en connaissant. Putain. Même là en connaissant ce qui se passe. Je flippe un peu quand même. Hein. La demoiselle là-bas. Soin du sang. Parce que là j'ai. Sinon je vais crever moi. Soin du sang parce que sinon voilà, ça suffira pour l'instant. Sympathique les petits bruits comme ça. Ok, c'est quoi ce, pourquoi il s'est mis à tourner? Bof. Parce que là, c'était vraiment un bug du jeu, par contre. Donc, on va aller voir la demoiselle là-bas. Non, merci. Fais gaffe à tous les objets. Voilà, qu'on va se prendre à la gueule, forcément.
Encore un cadavre. Selon la police, le deuxième enfant aurait été haché comme... haché comme du paix. Je suppose que c'était haché comme du petit bois ou une colle dans le genre, parce que être haché comme un petit paix, je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent. Sympathique comme dessin, comme toujours. Quelque chose à trouver. Non. Non plus. Tac. La clé de l'étage, on prend et on se casse. Voilà. Salut toi. Bon, la femme qui est encore là-bas. On va y aller. Merci mademoiselle. Hop. Suicide meurtrier. Le tueur de l'Ocean House responsable du brasier. J'ai quelque chose à récupérer par là. A priori non. Donc là il faut passer par le passe-plat. Journal intime. Vous avez découvert un journal dans l'Ocean House. Il racontait qu'un mari jaloux assassina sa femme et sa famille à cause d'un médaillon. Le fantôme meurtrier du mari retient sa femme prisonnière ici à jamais. Et on dirait qu'elle essaye de vous aider à la libérer. Voilà, je crois que là, c'est la merde, pas possible dans cette salle. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Voilà, on va se planquer un peu ici. Parce qu'en fait, il y a tous les objets dans la cuisine là qui vont se mettre à voler. Le truc, vous m'avez planqué parce que sinon, j'ai encore perdu toute ma vie, c'est mort. On dirait pas, mais se ramasser une casserole dans la gueule, c'est pas forcément très agréable en fait. C'est bon. On se calme un peu. Oui, non, peut-être. On va quand même essayer d'aller à la porte. C'est bon. Allez, 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 c'est bon. On va essayer de pas se faire défoncer. Ah bah je vais essayer d'être prudent. Genre, voilà, comme ça. C'est le classique piège à la con des ascenseurs. Je crois que je suis pas trop le bienvenu. Là, on va monter. Essayer de faire ça bien, passer en dessous, histoire de me perdre le moins de vie possible. Putain, elle est belle cette musique. Ah, c'est le pendentif que je suis venu chercher.
Voilà. Bateau là-bas au fond. Il me semble qu'on y passera plus tard. Non, ouvre la porte s'il te plaît. On joue pas à ça avec moi. Et on va se casser gentiment. Voilà. On se barre. On a ce qu'il nous faut. Maintenant qu'on a récupéré le pendentif, il n'y a plus du tout rien de maudit dans cet hôtel. Et on va retourner voir Therese. On va essayer de se choper quelques rats dans les égouts. Je me plante entre F et E en fait maintenant. Dans tous les jeux. Il y en a d'autres. À tout droit. J'ai un rat qui bug. Voilà. Encore un, au moins un. Allez. Puis on va prendre la première sortie qu'on voit, voilà. On va revenir un peu à la surface quand même, faut pas déconner. Alors on arrive où? Hop là. On arrive, ah bah ça, derrière l'asylum. Hop. Et on va retourner voir Thérèse. Machin truc, je pense que ça. Tu veux bien aimer ce personnage aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Not even a knock. I could have been undressing. And who knows what I would have had to do to you. You're here to see Her Royal Majesty Queen Victoria, aren't you? Je cherche la fille sombre, celle d'Obsidienne. She is out making a show of how well her lips fit on the pants seat of the Camarilla. Did you happen to find her chastity belt or something? Je ne peux parler qu'à votre autre visage, fille de Janus. Oh, Therese told me you might be back with something for her. Do you have it with you? Seule votre sœur saura recevoir ceci. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? Gardez la certitude que vous n'êtes rien pour moi. Tellement violent. Vous avez volé les mots de mon esprit ou je ne cherche pas à nuire à votre sœur. Tenez, prenez-le. Gardez la certitude que vous n'êtes rien pour moi. Voilà. She's always belittling me. She's the smart one. She's the favorite. She's the successful one. Well, it's not fair. I'm not a fool. This club's success is just as much my doing as it is hers. Alors, pas de larmes, fille de Janus, prenez cette babiole. Non, je lui donnerai pas le collier. Vos sanglots me poussent à la folie un peu plus. Tenez, taisez-vous non plus. Ces lamentations pathétiques froissent mes oreilles immortelles. Où mon cœur est ouvert, mais votre main ne contiendra pas ce que vous convoitez. Oh, on va dire ça, tiens, je trouve ça assez beau. Alors,
Impression et caprice. L'enfant aura son jouet. Non plus. Je ne pourrais pas supporter une minute de plus. C'est jamais bien d'accepter ceci et cesser ses sanglots. Putain, moi qui ai moitié dyslexique, c'est pas simple de dire ce genre de phrase. Pardon, fille blanche, mais ceci n'est que pour votre autre. Ou votre sœur est nul autre qu'Atin. Ouf. Ouais, non. Pardon, fille blanche, ceci n'est pas. N'est que pour votre autre. Que proposez-vous? Cette mascarade d'infantile m'agace. Parlez ouvertement, je ne ferai rien de plus pour les filles de Janus. Ou quel acte pourrait amuser l'enfant en ce jour de pluie? Non, je ferai rien pour toi de plus. Pas déconner non plus. So you can make believe you adore my every word and help me, or you can go back to the prince with your head in your hands. Alors, le choix est une illusion créée par les puissants. Dites-moi ce qu'il faut faire. Criez au loup, petite maîtresse, et je vous écoute pour l'instant. Priez juste que je ne sois pas le loup, ou vos menaces sont comme votre virginité éphémère. Pop. Tiens, je vais balancer ça directement dans la tronche. Je crois qu'elle a pas trop aimé. Non, c'est bon. On peut toujours rêver à Dieu. Voilà. Faut pas déconner. Voilà. Y'a rien à piquer dans leur salle de bain. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là. Vous avez récupéré le pendentif. Pas le pendentif. Mais ce n'est pas. Mais revenez plus tard pour lui parler à son retour. D'accord. Bon. Ouais, hop là. J'ai un peu de mal avec les contrôles quand même. J'ai un peu le côté savonnette. On va aller essayer de récupérer le sang de loup-garou. Si c'est possible. Alors, ça va être certainement en bas, un truc d'analyse qu'un genre. Ah. Employé du mois. Ok. Donation could save a life, you know. Oh, but isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Jack. I bet you're here to take blood. Am I right? Je crois qu'il sait qui je suis. Le pape portait un chapeau ridicule où votre langue fait des sons bizarres et embrouillés. Right down to business. None of this pretend I don't drink blood shit. Very refreshing. Combien pour le nectar écarlate? Faites voir ce que vous proposez. Donc avec lui, je peux lui récupérer des poches de sang et poches de sang noble. Alors, un poche de sang, comme on en trouve dans les hôpitaux pour les transfusions, en utilisant, vous regagnerez des points de sang. Ou une poche contenant le sang des plus beaux spécimens humains, en utilisant, vous regagnez des points de sang. Donc je suppose bien plus, étant donné que ça me coûte quand même le double du prix. Voilà. Bon. Rien à tirer de sa part, ici c'est fermé, et là c'est fermé, donc ça devait pas du tout être ici. Alors on va revoir par là, hein. Ah mince. C'est vrai que c'est crocheté. Bon. On va aller voir tout en haut alors. Non, c'est verrouillé aussi. Bon, on va passer par la porte normale alors. Alors voilà,
Ce que voulait nous proposer en fait Janet, c'était rentrer dans cette galerie d'art et simplement de déchirer les tableaux. T'as un petit problème de chemise, toi. Alors. On va passer par là. Et après, du fait de le voir en pleurs, le flic, je pense que l'événement s'est déjà déclenché et qu'on va pouvoir retourner voir directement Thérèse Jeannette. Alors, email, mot de passe, je l'ai pas. Tente un petit contrôle C pour pirater. Lakers, ok. Échantillon de sang étrange. Ah! Hey Danny, on a reçu un échantillon de sang intéressant de la part de quelqu'un du Sun. Un espèce de taré lui a dit que c'était du sang de loup-garou. T'y crois, toi? Bref, de toute façon, on est payé pour ça. Pourrais-tu t'en occuper? Merci. Voilà, le problème, c'est ce que... Hey Danny, on a reçu un échantillon de sang. Okay, donc ça, c'est bon, j'ai déjà lu. Quand veux-tu que je sache ce qu'il faut trouver? Sois créatif, c'est pas la mer à boire. Vérifie juste qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre. Oh, désolé, l'échantillon se trouve dans le coffre-fort électronique dans la salle des substances contrôlées. Et on va se faire quelques passes ce week-end. Bordel, tu sais quoi? Phil a changé son mot de passe il y a quelques heures. Maintenant, c'est le nom de son petit secret. Oups, j'ai dit quelque chose. Tu feras mieux d'effacer tout ça après l'avoir lu. On se retrouve au parc samedi matin. Donc Phil, c'est lui qui a le mot de passe, c'est son petit secret, donc il va falloir certainement retrouver ça dans ses mails. Alors Phil, 4, Dr Malcolm. Ah putain, je peux pas passer, c'est creux, tout est verrouillé. Et j'ai pas envie de monter mon crochetage pour l'instant. Donc je pense qu'on verra ça peut-être la prochaine fois. Si je gagne des niveaux et que j'estime en avoir besoin pour le crochetage. Mais là je pense qu'il faut encore garder notre... Ah, on a 3 points maintenant. Alors, 3 points, ça permet par exemple voilà, de monter un point de compétence ici. Ce qui est... enfin voilà, quoi, c'est... Ah, c'est un point de capacité, donc c'est un peu galère. Parce que là, alors, pour augmenter le crochetage, c'est la sécurité et la dextérité, voilà. Il faudrait que j'augmente la sécurité, sauf que la sécurité, ça augmente que mon crochetage. Donc, c'est un peu galère, quoi. Ok. Ah bah tu serais pas un peu buggé toi? Ouais, on va aller voir les filles. On va essayer de voir si Thérèse est revenue. Allez, ferme-toi. Voilà. C'est bon. What were you thinking? À propos. The museum. That was my event. Did you think I wouldn't find out? Mais. Shut up. I thought I could control my sister as long as Tongue was out of the picture. But nothing's changed. I should have expected that you'd succumb to Jeannette's influence like all the others. But how dare you? Je comprends pas ce que disent vos lèvres. Don't lie to me. Jeannette already confessed she tricked you into doing it. It was probably all Tongue's idea. I'll deal with them later. But that's still no excuse for you ruining my museum. Mais regardez, je vous apporte la babiole de l'océan. My museum is wrecked. Do you understand? Now, if you'd like to atone, or if you'd like to provide further assurance of your innocence, I have one more task that has to be dealt with.
Voilà, donc je me fais accuser simplement d'avoir foutu en l'air les tableaux dans le musée alors que justement j'ai refusé ça. Alors, quel est le nouvel acte? I'd like you to go to the diner and promise her that I don't plan to take any action against her. Wait for her in the back booth, near the phones. Alors, cela a plus de tour que mon esprit. Je retrouverai, puis nous conclurons nos affaires. Des roses alors qu'elle fut si rose, baronne. Dois-je lui faire voir le lever du soleil? Alors, cela a plus de tour que mon esprit. Je la trouverai, puis nous conclurons nos affaires. Fait et fait. Et je pense qu'on va s'arrêter tout simplement là. Parce que je sais ce qui va se passer lorsqu'on va aller dans le diner qui est juste en face. Et je pense que ce sera assez intéressant de reprendre là la prochaine fois. On va se mettre juste devant le diner. On va sauvegarder. Puis on va se dire tout simplement à la semaine prochaine. Ciao !